coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner tranquille. C'est très très rare parce que ben, c'est souvent moi qui amène Moana à la crèche. Parce que je préfère, c'est vrai, quand je l'amène, je vais directement au sport, je préfère. Voilà. C'est vrai que quand tu travailles de la maison et que tu n'as pas d'horaire fixe, des fois c'est un petit peu compliqué. Et moi je détesterais me lever hyper tard. Enfin, voilà, je veux vraiment pas du tout ça. C'est vrai qu'en plus on est un petit peu des fois en. Comme il y a 3 heures de différence avec la France par rapport au mail et tout, des fois, ben en soi, ça commence un petit peu vers 11h midi, donc on pourrait, mais non, franchement, même Théo, il se lève un peu plus tard que moi, mais on est toujours, on se lève tôt, quoi. Et c'est vrai que ben, c'est un petit peu le piège quand tu travailles, ça peut être influenceur ou n'importe quel métier, mais c'est vrai que quand tu travailles de la maison, c'est un peu plus compliqué de mettre bien, d'avoir un bon rythme. Et c'est vrai qu'on se disait, depuis qu'on est rentré, on a vraiment une bonne routine, on se couche beaucoup moins tard. On se lève tôt, donc c'est cool. Parce que voilà, en général, c'est vrai que, enfin bon, on l'a mis comme ça en place, mais c'est vrai que c'est moi qui amène Loan à la crèche. Parce que je préfère, souvent j'ai mes cours un petit peu à 9h. Donc je l'amène à la crèche, ça ouvre à 8h, mais bon, en général, on ne va pas à 8h. C'est un peu plus tard. Et ensuite, je vais au sport et après, on le récupère le soir. Mais voilà, en général, après, je joue un peu à rapport à lui parce que bah, pour le moment, je ne le réveille pas. Mais en gros, il se réveille entre 7h et 7h30. Mais vraiment, des fois, il sent que c'est le week-end parce qu'il va beaucoup plus dormir le week-end jusqu'à 8h, 8h30. Comme s'il sentait que c'est bon, vas-y, je peux dormir, c'est le week-end. Enfin, voilà quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, j'avoue que j'apprécie ce moment. Bah, il fait un petit peu frais, c'est ça que je suis en pull. Il y a du vent depuis hier. Mais c'est appréciable. Voilà. Donc j'apprécie ce moment de solitude en train de boire mon petit thé. D'ailleurs, vraiment, je ne pourrais pas ne pas boire de thé tous les matins. Hier, vous m'avez redonné envie de refaire mes petites tartelettes. En plus, il me restait une pâte brisée qui allait bientôt plus être bonne. Et je fais aussi pour Loan. Du coup, en fait, j'ai découpé en 4 comme j'avais fait. Mais là, en fait, j'ai moutarde pour moi. Et là, j'ai mis de la ricotta pour Loan. Je vais rassembler et mettre mes petits poireaux. Et moi, je mettrai mon saumon pour moi. Et Loan, je rajouterai un petit peu d'herbe et de fromage. Deux, on referme nos petites tartelettes sur elles-mêmes pour faire des petits... Ça ressemble à ça, en fait. Donc là, j'ai mis mes petits poireaux. J'ai fait une petite fondue de poireaux. Et j'ai rajouté le saumon fumé pour moi, vu que le soir, pas de protéines pour Loan. En tout cas, saumon fumé, pas du tout. Et voilà, un petit peu de fromage. J'en ai mis un peu pour Loan. Et ça part au four pendant 20 minutes. Et voilà, c'est prêt pour ce soir. Donc ça pour moi, ça pour Loan que je vais lui couper. Je vais mettre un petit peu d'avocat à côté. Et voilà, c'est parfait. Et d'habitude, je la fais un poil plus cuire. Mais pour Loan, je voulais pas que ça soit trop cuit non plus. Justement, que ça soit un petit peu mou. Donc voilà, c'est parfait. On est rentré, on est allé le récupérer de la crèche et on est venu au parc, c'est un petit peu comme ça, là, juste à côté de sa crèche, à côté de la maison. Et donc du coup, on est parti jouer au foot. Papa. Et oui, c'est lourd. Tu veux l'ouvrir ? Avec la foi, l'avocat, c'est joué un peu quand même. Tout seul. C'est bon ?